Hey yo les gars, c'est Razor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la Obscur Clan. Donc une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui je vais vous montrer donc tout ce qui est information sur la nouvelle mise à jour 1.10. Donc aujourd'hui 19h53. Donc voilà, donc il y a eu des nouvelles armes sur Call of Duty Black Ops 3. Donc je vais vous montrer toutes les armes. Donc la première arme c'est une FAMAS en tant que fusil d'assaut. Donc je pense que tout le monde la connaît. Une FAMAS de Black Ops 1, c'est ça. Donc voilà. Donc je sais que Furox, le leader de l'Obscur Clan, l'a eu. Donc on va tenter des gros gameplay avec ce soir. Pourquoi pas la première nucléaire au monde avec, ou la double nucléaire. Donc on verra ça ce soir. Donc deuxième petite arme, c'est tout simplement une première sur Call of Duty Black Ops 3. Donc voilà, un bazooka. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, je sais pas c'est quoi ses capacités, mais on verra ça dans les jours à venir. Donc voilà, troisième arme, tout simplement une hache de combat dans corps à corps. Donc je pense qu'elle va être pas mal cheatée. Et la quatrième arme, tout simplement une... je sais pas comment appeler ça, un sceptre ou... on dirait plutôt les bâtons dans Origins de Black Ops 2. Donc voilà, je trouve ça assez stylé. Mais maintenant faut l'avoir entre les mains. Donc c'était tout niveau armes, il y a eu pas mal de patchs. Donc tout d'abord quand vous allez dans Contrat, dans le marché noir, vous avez des défis. Donc le défi de cette semaine ou d'aujourd'hui, je sais pas c'est quand, c'est hebdomadaire ou quotidien, on verra. Bref, il y a un défi, c'est gagner 75 parties à partir du moment où ce contrat est délivré. Là il n'y a pas de temps limite, d'accord, donc il n'y a pas de limite de temps pour ce défi. Donc une fois que vous avez fait les 75 parties, faut tout simplement ouvrir donc vos récompenses. Donc il y a un lot de 10 largages de ravitaillement rare, c'est-à-dire 300 clés de cryptage, en gros, équivalent. Il y a un pot de 20 armes, donc je vais vous expliquer c'est quoi. C'est tout simplement un largage où vous êtes obligé d'avoir une arme, donc ça c'est nickel. Et un lot de 10 largages de ravitaillement rare, donc ça c'est pas mal aussi. Donc il y a eu quoi d'autre comme petit patch? Il y a eu le noyau énergétique aussi qui a été patch. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais quand vous êtes en saillie, parfois il reste dans vos mains, il reste bloqué. Donc ça a été patché. Et il y a eu le spécialiste nomade qui a été patch. Donc il fait plus de fumée une fois que vous l'activez en réapparition. Donc c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like et vous abonner si ça vous a plu les gars. Ciao, peace, à la prochaine.